vast, complex, invaluable, irreplaceable. These are the forests of the Democratic Republic of Congo, or DRC. The forests of the Congo Basin stretch over 2 million square kilometers, an area three times the size of France, making this the second largest tract of tropical forest in the world. These forests harbor a rich diversity of plants and animal life. They provide food and income for millions of people. And they store immense amounts of carbon. Carbon that is released into the atmosphere if these forests are cleared. Which means that these forests are of immense importance not only to the DRC and its neighbors, but to the health of the entire planet. Le rôle de la RDC pour contribuer à l'effort global, n'est-ce pas, dans la lutte contre le changement climatique est crucial, compte tenu de son capital forestier. Donc la RDC s'est employée à être, n'est-ce pas, à s'engager dans la mise en œuvre de ce processus. Yet the forested landscapes of the DRC are undergoing irreversible change, largely because of human activities. Ici en RDC, on est dans un pays avec une agriculture familiale importante. On a environ 8 millions de ménages agricoles. Et ces ménages agricoles pratiquent une agriculture de subsistance essentiellement, puisqu'ils sont dans des zones enclavées et ils pratiquent aussi une technique qu'on appelle l'agriculture itinérante sur brûlis. Slash and burn agriculture, uncontrolled logging and poaching use up huge quantities of natural resources. But they don't significantly contribute to economic and social development. The effects of these activities go beyond forests alone. Forests form part of a broader landscape, comprising a mix of ecosystems and activities. All parts of the landscape are connected, so changes to one part cause changes elsewhere. Les gens font l'agriculture, mais aussi comme il y a le fleuve Congo et beaucoup de rivières et des marais qui sont là, les gens font la pêche. Mais de plus en plus, la pêche donne moins de prix. Ce qui fait que les gens qui sont déçus par la pêche, ils viennent gonfler encore les nombres d'agriculteurs et qui font l'agriculture itinérante sur brûlis. La RDC dispose d'un très grand potentiel, de très grandes surfaces agricoles et forestières. Mais devant cette menace, on voit effectivement, avec une augmentation de population de 3-4% l'an, on voit effectivement une tendance importante. Il est absolument impératif de trouver des solutions. And for the DRC, the solutions start not in the forest, but right here, in a classroom at the University of Kisangani. These young people are studying sustainable forest management and biodiversity management as part of a program led by CIFOR, the FAO and other partners. The program was set up in 2004 in response to findings that robust data on DRC's forests and landscapes remained sparse and that the country had very low capacity to conduct research and manage forests sustainably. Le personnel scientifique, le personnel académique ici dans notre pays sont en nombre insuffisant et il y a peu de femmes. In addition, Congolese institutions in charge of agriculture, forests, environment and tourism employ less than 5% of the competent staff required for the jobs, even though several thousands of agents are on the payroll. Si on peut avoir encore des renforcements des capacités de nos agents pour accompagner les différentes structures dans les reboisements, ça peut être utile. Ça, c'est très important. Si vous pouvez planifier l'utilisation des terres comme il faut, ça va vous permettre évidemment de mieux gérer les ressources naturelles. Et ça, avec ça, ça entraîne qu'il faut des réformes. By learning more about the forest and the impacts of human activity,
and by applying that knowledge to manage landscapes more sustainably, these students and agents are doing more than getting an education. They are setting their country on a new course.